Au nom du Père qui, Papa Kisoke Lokelo, du Fils dit, Papa Dialungana Kiangani, et de cet esprit dit, sa divinité, Tata Kimongu Kuntima Kiangani. Les trois en un, donc la Trinité, c'est le Père Céleste, Fumolongo. Batata ba mama, Bosaliko Nangai, Botuli Bakou, Yamukota, les sites Oto Bengi, Papa Nissango Takimongo en tant que disciple de l'esprit de vérité. Ici, nous sommes trouvés à cet espace pour pouvoir apporter un complément d'informations puisque nous commençons depuis ce matin. Car nous savons qu'aujourd'hui, on est le 3 septembre. Le 3 septembre, il s'est passé un grand événement en 1910. Vous savez, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, la source de toutes choses, de toute existence, eh ben, en 1910, le stellaire à 5 branches s'était placé sous la voûte céleste du Congo central. Autrement dit, le Congo, le consensus qu'on appelle Banza Kimbangu, RDC, Congo-Angola. Les amis, qu'est-ce qu'on a à partager ou qu'est-ce qu'il y a à dire? Les moments que nous traversons actuellement sont des moments très très propices où nous devons prendre garde pour pouvoir être en adéquation avec ce que demande Nkamba Mbanzavili. Suivez bien le cortique là que est en train de donner mes collègues du groupe de guitaristes Kimongis de Banza Kimbangu, ex-Brazzaville. Je me suis toujours excusé en insignifiant bien que j'aime pas le terme Brazzaville. Ça me dérange. Parce qu'on ne peut pas continuer à perpétuer un qualificatif d'un monsieur qui est venu d'une manière impériale, doté des pratiques occultes, maçonniques. Parce que ces esprits qui sont pas en adéquation avec notre ancestralité nous créent la désolation. Papa Simon Kimbangu, en Bandansanda, en 1921, vous avez qualifié comme étant les individus du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant le colonisateur. Donc, entre autres colonisateurs, il y avait Savonneau du Petro di Brazza. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à perpétuer un qualificatif en disant voilà, Congo, Brazzaville. Non. D'ailleurs, par exemple, le terme qu'on dit congolais, je ne suis pas laid. Je suis congolois. Comme à l'époque, vous voyez le territoire qu'on appelle RDC aujourd'hui, à l'époque, on l'appelait Nzaïr. Nzaïa Congo et Nzaïa Baroua. C'est-à-dire le terreur des rois. Où se trouve tous les ceux qui ont servi Dieu en esprit, en vérité, c'est sur ce territoire-là. Donc moi, je ne suis pas congolais, je suis congolois. Parce que eux, dans leur pratique, par rapport à leur langage, ils sont venus faire savoir que, voilà, on était des Congolais, des Luolais, des Congolais les deux. Non, on n'est pas vilains. Je le répète, Papa Kisolo Kele m'a bien créé, mon épouse, Maman Anaël Mouilou, Dia Congo, qui d'ailleurs aujourd'hui m'a fait un cadeau extraordinaire parce que c'est l'anniversaire de mon incarnation. C'est-à-dire que je suis né de nouveau en RD Congo par le touchement de mon fils aîné de la naissance saharienne. Donc, mon fils Dia Congo Nzotovuidi, c'est le 3 septembre qu'il est venu sur Terre à Kinshasa en 2015. Donc, grâce à elle, qui s'appelle grâce d'ailleurs, Anaël veut dire la grâce de divine. Donc, elle m'a rendu fière et m'a rendu forte. Donc, mes amis, je suis congolois, je ne suis pas congolais. Ne m'appelez pas congolais, je suis congolois. C'est-à-dire, Congo ou Diakilanga Monsiku. Congo Monsiku. Voilà. Alors, ici, nous devons expliquer un fait. Le 3 septembre. Le 3 septembre 1910, l'étoile, le stellaire, vous voyez le stellaire que je porte là, je vais le disposer convenablement parce qu'il a 5 branches. La tête, Papa Kisolo Kele, Papa Dialungana et Papa Djengenda, tenu par les parents, par Kaki Mama Kiawanga et Kakimban. Ce que j'appelle le stellaire Kididikiki. Kididikiki, cette étoile-là. Kididikiki. Mes amis, mon frère, Papa, je l'ai vu rentrer tout à l'heure, Papa Rock Matingu se reconnaîtra parce que
sur la rive droite, Didi, quand on dit qui Didi, Didi c'est le visage. Mais sur la rive gauche, on dit Zizi. Et d'ailleurs, quand vous écrivez ça géométriquement, c'est ces deux consonnes, la consonne D qui est sur le delta, et le Z, c'est, quand vous l'écrivez d'une manière informatique, c'est à trois bandes. Voyez-vous ? Donc, la forme géométrique a la forme D, qui a D, et c'est la forme géométrique qui a la forme la lettre Z. Donc, qui Zizi, qui, ou qui Didi, qui, donc, qui Solokele, Di Djalungana, Di Djengenda, qui Mangou, qui Wanga. Donc, qui Didi, qui, donc le stellaire à cinq branches. Eh bien, ce stellaire-là, c'est celui qui est apparu en Afrique centrale en 1910, le 3 septembre, s'il vous plaît. L'étoile que les Occidentaux, dans leur pratique occulte, voulaient savoir où est-ce que va se concrétiser, depuis le 13e siècle, dans la recherche, où est-ce que va se concrétiser les propos du Seigneur Jésus-Christ qui dit que eh ben, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne connaît pas, fera chair. Il viendra. Et effectivement, ça se passait donc. C'est concrétisé au Congo. Et pour continuer mon propos, j'ai toujours pour repère le propos de mon collègue à la Radio-Télévision Générale, Papa Kif, qui avait fait un document audio qui explique très clairement le mystère de l'étoile du 3 septembre 1910. Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez ceci. L'arrivée de Simon Kimbangu annoncée par une étoile. L'étoile. Vous avez dit étoile, mais qu'est-ce que l'étoile ? Le 3 septembre, s'il vous plaît, date anniversaire aujourd'hui. Je suis né de nouveau à Kinshasa, par le tourisme de mon fils, Diakon Ndoudouvidi, à Neldi. L'étoile est tout astre lumineux par lui-même, à l'exception du soleil. Certaines étoiles sont tellement éloignées de la Terre que l'air-lumière met 2 millions d'années pour arriver, bien que la lumière couvre 300 000 km à la seconde. Selon la Bible, une étoile symbolise souvent un grand personnage. L'astre qui sort de Jacob désigne le Messie. Nombre, chapitre 24, verset 17. 12 patriarches sont figurés par deux étoiles. Genèse, chapitre 37, verset 2. Les étoiles sont également les images de princes et de chefs particulièrement importants. Appelé l'étoile du matin. Apocalypse, chapitre 2, verset 28. Ce sont également des signes dans le soleil, la lune et les étoiles qui prédiront la ruine de Jérusalem. Luc, chapitre 21, verset 25. Ainsi, Dieu peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme dans certaines circonstances. C'est le cas de l'étoile de Marge. Une pareille étoile apparaît également au temps de Simon Kubin. Elle annonçait la venue physique du Saint-Esprit en Afrique.
temps où les Africains étaient encore plongés dans l'obscurantisme noir et vagabondés dans leur spiritualité comme une vague, Dieu leur a envoyé un ministre céleste hors du commun. Sa venue était tout signalée bien avant le siècle par la présence d'une étoile particulière sur la route céleste africaine. Comme la lumière d'une lampe peut bâtir des insectes de longue vie, les peuples lointains étaient attirés par sa lumière et le roi par l'éclat de ses rayons. Voici comment. Dans l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, nous apprenons que les trois mages ont été guidés et avertis par une étoile. C'est aussi par une pratique astrologique que la venue physique du Saint-Esprit en Afrique était connue bien avant la découverte du continent africain. Le 3 septembre, s'il vous plaît. Différente des autres en luminosité, était apparue discrètement au-dessus du continent africain, plus précisément en Afrique centrale. Cette partie de l'Afrique était encore mal connue, tant des Européens que des autres peuples du monde. Les uns la nommaient Terre mystérieuse, tandis que les autres Terre inconnue. Ce que révèlent et démontrent les écrits de certains chercheurs, ces savants astrologues. Écoutons à ce sujet ce que nous dit le livre intitulé « Présence du noir ». Nous citons « Les chercheurs maçonniques à l'intérieur des catholicismes romains avaient réussi à situer la venue physique du Saint-Esprit depuis le 12e siècle en interrogeant les astres. Ils savaient déjà qu'il allait naître chez les hommes ayant un visage brillé, c'est-à-dire le noir. Il fallait envisager l'extermination ou la domination de ce peuple en ayant comme astuce des mobiles politiques et socio-économiques. » Fin de citation. Jean Mazel, Présence du noir, édition Laffont-Robert, Paris, 1975, page 36. Fait intéressant, certains indicateurs extra-bibliques démontrent également que, depuis des millénaires, un sauveur devait venir en Afrique centrale.
Sa venue était enfouie dans la cosmogonie égyptienne et signalée par un protostellaire au-dessus du cœur de l'Afrique. En effet, selon le savant sénégalais Cheikh Anta Diop, qui cite Nabil, égyptologue suisse, depuis l'Égypte antique, un sauveur était attendu en Afrique. Ces sauveurs devaient sortir de l'Afrique centrale, appelés par les Égyptiens antiques Amani, puis les ancêtres. Les Égyptiens antiques avaient des connaissances très approfondies des astres. En s'adonnant à l'observation du ciel, leur attention était attirée par l'évolution des étoiles dites de Sotis ou Sirius pour les latinistes. Cette étoile, la plus brillante de toutes, s'observait facilement sous la latitude des tropiques, c'est-à-dire au sud de l'Égypte, dans l'hémisphère sud, et se retrouve dans la constellation du Grand Chien. L'observation de la dite étoile permit aux Égyptiens antiques d'inventer les premiers calendriers sidérales, plusieurs siècles avant les Romains. L'astronomie était née. Toujours selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique centrale était l'endroit indiqué par les Égyptiens antiques du paradis terrestre qu'ils appelaient Ahouré. Informons qu'il existe au jour d'aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans la province orientale, à la frontière entre la RDC et le Soudan, une ville du nom de Aou. Ne le perdons pas de vue. À ce stade de nos réflexions, une question mérite d'être posée. L'homme noir, ici représenté par l'ancien Égyptien, mais qui attendait-il secours? Dans son livre intitulé « Les dieux communs », le professeur Guy Lafour, après avoir affirmé avec force que le Saint-Esprit est une personne réelle et physique, signale que le texte biblique de l'Ancien Testament cité par Matthieu dans son chapitre 21, versets 42-43, avait été falsifié parce que la traduction grecque de la Septante est 1946. C'est clair. Suivez bien. C'est-à-dire, c'est au noir que Dieu donna les royaumes pour rendre les fruits. Fin de citation. Qui la font? Le Dieu commun, édition du Cerf, Paris, 1983, page 204. Le document est disponible. Pour le professeur Lafont. L'apparition de cette étoile sur le ciel africain avait laissé un astrologue perplexe. Est-ce une étoile de mage, une comète, un météore? Peu importe. Il s'agissait avant tout de l'invitation que Dieu donne aux nations du monde. Car Dieu peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme dans certaines circonstances. Apocalypse, chapitre 9, verset 1er. Au terme de leur étude, ces érudits versés dans la science des étoiles n'eurent plus aucun doute. Cette étoile, extrêmement brillante, annonçait, comme ce fut le cas avec Jésus-Christ, la venue d'un puissant et glorieux être céleste. À cet effet, il fallait à tout prix le localiser, mieux l'identifier. Car un de leurs objectifs inavoués était celui de dominer spirituellement les habitants du continent sur lequel brillait cette fameuse étoile, c'est-à-dire préfigurer l'avenue physique du Saint-Esprit et gêner son action pour que les descendants de Cam ne deviennent les héritiers du royaume de Dieu sur la terre.
espagnol, s'employèrent à perfectionner un nouveau type de navire. Et au XIIIe siècle, firent une capture en Afrique. Voilà mes amis, vous avez suivi mon collègue Papa Kif de la direction de prod à la direction générale qui nous a expliqué un petit peu par rapport à la recherche qu'il a menée concernant justement le Saint-Esprit. Mais l'étoile en question, vous savez, nous j'ai toujours dit que nous dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité du Saint-Premier et nous dans cette structure qu'on appelle le multimédia kimbonguiste, donc média kimbonguiste, média donc messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimbong, activités kimbonguistes. Donc dans le kimbonguisme, il s'est passé des choses. Les anges qui viennent donner des discours politiques, le discours de relayer donc à la population, ils disent aussi, il y a un chant qui était venu, ça remonte à un moment donné, je me rappelle, Fumu, sur le conseil de cette divinité Tata Kimbong Kengani, donc Fumu Mbingi dit, Tata Fumu Mbanza Benza Andri Kengani, dernièrement, lors des forums où on nous rappelle ce que les trois glorieux ont scellé pendant la fameuse période qu'on qualifie de 5 mois, il explique que le cantique, un cantique était venu à un moment donné, qui dit ceci. Bena kuntiza mputuba widi bimangu bimoneke munti ya Kongo. Bena luvui dientie lwa kini kwe yungana. Le tout puissant, le almighty, ce que nous avons appelé à un moment donné le Nzambia Mpungutulendo. L'esprit créateur, l'esprit divin, qui avant de se matérialiser le 12 septembre 1887. C'est le meilleur, c'est le meilleur. À travers... Oui. Papa Simon Kimbangu, le 12 septembre 1887, ce dernier, en descendant sur terre avec les trois glorieux, l'historique, je vais parler peu, parce que la date est tellement importante que moi, les anges, vont parler à ma place. Et là, en l'occurrence, nos collègues du groupe de guitaristes, toujours nous, Bassebisata Nzambe, écoutons, s'il vous plaît, évidemment, accompagné avec mon collègue. Papa Kif, suivant. Voilà, il y a un petit problème technique que je vais résoudre tout de suite. Alors. Voilà. Suivant. Toujours le 3 septembre en question. 10. L'anniversaire aujourd'hui. Diakon Zotovuit. Signe de la présence divine sur son sol. Ce pays c'est le Congo. Le 3 septembre 1910, suivant mon collègue Papa Kif, qui m'en dise mot. Une très lumineuse constellation d'étoiles avec la même structure astrale que celle dite de Berger, observée et suivie par l'image lors de la naissance du Christ par Bethléem. Kama, Jérusalem, terre d'opulence, terre de promesse, où repose le grand Seigneur, Kimbangu le Saint-Esprit, venez tout. Car à Jérusalem, terre d'opulence, terre de promesse, où repose le grand Seigneur, Kimbangu le Saint-Esprit. Allons-y tous. Une constellation suivante. Nos ancêtres n'avaient jamais vu jusque-là.
avait tourné sa face vers l'Afrique. Pour les autres, il s'agissait d'un signe avant-coureur d'événements de très grande portée pour des millions de gens. Fin de citation. Informons que cette étoile de berger ou comète Halley a une rotation cosmique de 70 ans autour de la Terre. Au terme de cette période, il s'est produit des changements radicaux dans le monde. En 1910, lorsque apparaît dans toute sa splendeur sur le ciel de Bakongo cette constellation extrêmement brillante, une grande agitation secoua naturellement les astrologues et autres initiés occidentaux de tous ordres. Ceux qui se trouvaient dans les différents observatoires, c'est-à-dire les stations missionnaires au Congo, en furent bouleversés. Cette fois, ils étaient convaincus d'une chose. Cet astre étrange leur avait été envoyé comme signe avant-coureur de la présence effective de la personne faisant l'objet de leur recherche. Désireux de connaître avec précision le lieu de naissance de ces ministres célestes, les missionnaires chrétiens européens utilisèrent d'innombrables méthodes et pratiques, dont la voyance. Le Matondo, s'il vous plaît, voilà le petit extrait que je voulais faire passer par rapport à cet événement d'aujourd'hui, le 3 septembre 1910. Papa Simon Kimbangu va se matérialiser dans quelques jours. On est aujourd'hui le 3, dans 7 jours, sa divinité, le Saint-Esprit, le Père Céleste, va prendre corps. Ce que nos aïeuls invoquaient en Totila, quand ils avaient un problème de naissance, éventuellement, eh ben, il partait à Mongo Bangu, il disait Kimbangu, Wizakufudi la moine. Et ce Kimbangu là donc se matérialisa le 12 septembre 1887. Mais ça n'est arrivé. Avec quel but? Quel est le but de l'arrivée de l'esprit de vérité sur terre? Je vous ai toujours dit. Nous, on a le privilège, dans le cadre de l'action politique que nous menons, les 3 P des SP, pouvoir spirituel, commandé par Gamba, le pouvoir scientifique, la science que nous avons, Mandomi, et le pouvoir de parler à l'audience, donc la politique, aller gouverner la cité. Mais aujourd'hui, nous avons les anges célestes qui viennent nous disposer des informations appropriées pour pouvoir accompagner notre action de restauration de l'humanité dans son état premier. Suivez, s'il vous plaît, mes collègues du groupe théâtral Kimbangis qui élucide l'esprit de vérité, le pourquoi, sa mission. Je vous le traduirai plus tard. C'est en la langue naturelle que nous avons au Congo, parmi les langues naturelles que nous avons au Congo, et suivons ce qu'ils disent. Suivons. Oh!
s'il vous plaît, je vais faire une pause tout de suite parce que ici, il est clair d'éclaircir. Il est approprié d'éclaircir. On n'a pas dit que tata si moki mangu kiangani tata na yo atika kiyo. On n'a pas dit batika kibino. La mascarade de août 2001 là, qui a créé la désolation, nous devons prendre garde. Tata si moki mangu kiangani. Tata na yo atika kiyo. Pona kotonga Yelusalemi ya tolani. Allez, allons-y. On n'a pas dit bati kaki, mais peut-être ati kaki. Tokei. Voilà. Le but, tu dois sauver l'humanité. Le rebut de l'humanité. Au en Kamba, Nouvelle Jérusalem. Papa, c'est moi qui m'en ou Kiangani. Ton père, le Seigneur Jésus-Christ, papa Dialongana, t'a laissé la charge de sauver les Noirs à Kamba, Nouvelle Jérusalem. Voilà. Voilà. Nous t'implorons, Papa Simon Kimango Kiangani. Ton intelligence, ta sagesse, pour que nous te servons en esprit et en vérité. Voilà. Nous implorons ta puissance, Tata Kimbangu. Ta puissance, Tata Kimbangu. Ton intelligence, afin que nous ayons la capacité d'être déjà free en week-end, c'est-à-dire libre et capable. Voilà, Papa Simon Kimon Kiangani, nous t'implorons, en ce jour 3 septembre, date anniversaire de ton célèbre Cyrus, le Seigneur, ils ont appelé ça Sirius, mais Cyrus, Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Voilà. Bangu, Mayele, Wanyana, Yotata, si, Mokim Bangu, Kwete, Bokonzi, Boyo, Sakulama. Isoto Jali, Bantoma, Bayo, Zinda, Biso, Bisika, Binso, Yolingi. L'aîné qui a été mis, l'ennemi, il se fait pour vouloir être le premier sur terre. On va le décapiter. On va le mettre hors d'état de nuire. Il va manquer de place. Emprisonné. Voilà. Nayo, Tinda Biso, Bisika Binso Yolingi. Kasi Koposa na temoyini oyo. Satana n'a pas tôt. Voilà, nous sommes sur la place de la défense où le petit Manhattan de Paris, où les financiers, l'argent est utilisé malencontreusement. Cet argent que papa Simon Kimbangu n'arrête pas de dire, faites attention à la mauvaise monnaie. L'argent. Nous allons à part un tout. Artisans, gens les humains. Parce que je vous ai expliqué que nous, en Mandombe, nous expliquons les fils spirituels scientifiquement. La lettre, la consonne T et la consonne S, ils ont la même disposition. Donc, Tata Simon Kimbangu, le rêve que Papa Dialongan a fait, le songe, il dit ceci. Il sort, il prête à monter le camion. Il se met en place. Suivons d'abord l'ange céleste qui parle, qui chante. Voilà. On va le décapiter, on va le mettre hors d'état de nuire. Hein? Grâce aux 10 commandements. Nous, en vivant sous les 10 commandements, on était des Congolais et non des Congolais. On est des Congolais, c'est-à-dire des Congo diatlangam nan siku. Quand il siku yimbe vient longo, il siku tata kimbangu, il siku tata lunga, non? Il faut moi siku. Donc, moi nan Congo, il faut diatlangam nan siku. Quand il siku yimwanda oludi mouni yakunitu. Mouen. Alors, donc, tu sais, quoi qu'il y a de la Voilà, nous implorons sa puissance, sa force. Voilà, afin que son royaume soit érigé, où nous allons recevoir, car il avait dit que Bendele dit la main, Mukumbu
Aïsumbolozi. Nzaya yosi yakutakana. La monnaie, je reviens là-dessus. Vous savez ce qui s'est passé? Papa Dialungan a fait un songe. Il dit, je suis monté à bord de camion. Certains de ceux qui sont avec moi dans le camion, ils ont vu des gens qui distribuent la monnaie, l'argent. Mais quelle monnaie? Nous savons ce que Dero m'a fait. Où est-ce qu'il se cache actuellement? Moutemoudou Koutoutou qui dit, Papa Dialungana, toi Papa Dialungana t'as bien dit, ta victoire passe par ta complicité avec Moutasoula de Varna Michel, qui se loquait. Mingeye Koutoussi dit, Bounire Vouvou, Makinza, Makinsouni, Tata Lungana l'ombe le vaut, l'ouenda mouye l'ouselemi, l'ouvanga l'ongo la vella mouye l'ouselemi. Et y'a n'ingimbi di bouye ou l'oubakidi, mouna mongo zambi. Kinka di gambemba ki va frobo saka fweti kuna Roma. Kine ka pakidi ingi. Yi kyo kina ou toko nasa. Mi ba solo benina. Ba solo lo ba longo, ba kimbila. Louvisa nene wankamba. Tutunga yelo selemi, kadika tende lunga nan sikidi saka sikidi savo. Lutunga nkamba manza velela. Tu vidi ou vopo tu sidi ta kumbo sifo. Tata ki mpangwe, tata na yo wakusi isa, mu Vuluza ndombe, betu bandombe twa kembela. E kansi benu tusidie, betu kangambane, makinza. Kinsuni kwani. Men toto mpolo mla ntoto kwa rusha futuwa ntoto. Men bevi kwa ikadile. Kututu kidi, zola diyo vaka. Tata martorele, muta martorele, yi muta michel. Benu mapole, kintuwa haditeno, Yerusalem. Ka, kwa nkaka, kwa ngangimbi dibuyako, yani ngizulu ya mbina, yani. Waiza kota kumbi za franc-maçon za rose croix za maikari mbeve za muzimu za sajilanga mbongo za mizi na yani kaza bete la ko eh enje lo mulovise tela ngakeno kakya wanga ngudi longo tela lu mvibu dule ni nene yani ntimo wonene wa vuata ngudi ngaka ngakandi wa vuata ngakandi kusidi nungini mikel kondo le ko beno kalunesa kondo le ko beno kadingaka ni mangu mpasisa kamona kinsunikine kakanga mamuna nitu ine kapaka ya ntete mpasiko betu ba onsu na baba tuwa kala bamboti mika lukukota mzambi mpako nzuzo fuku nzuzo ngimbi dibu ya pole aliase kisolo kele mumbi yani pakini kungwe kisolo kele mumbi mbuta solomo solo bata angangungu Iya kungu mudi aga janga niki solo kile. Mwaka la mugi lusile mje delunga na nchama mbaka utela. Ingelo muvisa ni nwa diamu ni uzi kwa tamu la kivyo. Hana kemba benu wa bol. Fuma manza yenge. Ah. Kule sa tegi mbaka ludi kwe? Me ludi, iludi kwa ni. Kadi votele ludi. Kutadi luko. Kadi nyona tadi ludi. Si ka vele lesa kwani menge votele dilou c'est-à-dire le contraire parce que le mot loudi on disait le principe du mandombe pa kundungu pelekete loudi le contraire ça devient dilou quand il dit pas la vérité mais c'est des pleurs voilà la désolation le peuple dispersé tu sais des vous wankenda batanga de voe et singa kanda ninga na ka utebuka ngako bana bena muna nkuna ya salai tata kisolo kile watadio vo muna nkuna ya salai ovo sara yina ya betela banka kalu na kwenu luna sala kwenu muna kimpeve ko tala tukotele kinzuzudi ah tukotele fiyotili pasali tuwa mundinga yetu beto vo mtusidi nkamba Yerusalemi tutunga nkamba nkamba yinsilu za wonsu na mkamba zinina le 25 mars date anniversaire beto ya media kimbangiste parce que papa si qui se loquait les papa de l'ouvrir pas d'engue montima non papa qui n'est pas montima d'engue nda avait tenu la première caméra qu'il a donné à cet acteur que l'on voit là le 25 mars lors de l'exhumation au cimetière des sapins à l'Oumoumbanchi qu'on a beau mentiante ma c'est ma amé de l'okolo djeno l'okolo qui fouéne tout vie sa nende wa diamou de Sisiloa ma c'est me tu vas tout si la salou
Bé, non, loupé, langa, résolution. Loi, nzouloi, loulou, nzouloi. Vous qui voulez pas l'ordre d'un Kamba, vous serez mis hors d'état de nuire. Bé, non, balé, keba, meba, wonzo. Nuisez nos trois fois d'avant, voilà, toi, yidika. Loutala, salou, kia, qui souci la masse, meto, en kangou, woumen. Voilà, ya loulène. Mais t'as dit, mango, kia, ngani, mwanda, loudi, ma quoi, ni belila. Mono intu, mono ki mangu, tate ki mangu kengani. Ah, kati ya mkwadi, wee, tunayini kaka. Et il me fait pour mon téléphone long. Alléluia, qui est-ce? Alléluia, qui est-ce? Alléluia, qui est-ce? T'as la mouille, la mono, wato, quoi, ne sois pas béni. Moulin de kiaku, t'as la nungini. Tala mwela mono buwa tokwa nesa kwa mbeni Mule ndo kiaku tala nungini Vina mange mfumu mwela me Eki nsanga kia mfumu wiza Vina mange mfumu mwela me Eki nsanga kia mfumu wiza Mubulu jalufwa benge wakatudi Na mange fumu mwelame E pizanga kia mfumu wiza Kia mfumu wiza Mugulu jalufwa Benge wakatudi Mugulu jalufwa Benge wakatudi Finama fou moi me Mouboloko galoufwa Benge wanga tudi Mouboulou galoufwa Benge wanga tudi Mouboloko diampasi Benge wanga tudi Kananombe. Voilà là où je termine mon propos en cette soirée du 3 septembre, date anniversaire de mon incarnation au Congo RDC, parce que mon épouse, ma légitime, l'os de mes os, la chair de mes os, ma semblable, Vici Diami, mon miracle, Sivi Diami, du 23 août 2014, le cadeau que Papa Kisolo Kele, le miséricordieux, Dieu Tout-Puissant, le Almighty, il m'a donné l'épouse en août
2014 lors d'un mariage religieux, concrétiser cette action de force. Et donc, quelques mois plus tard, eh ben, mon résultat venait sur Terre à Kinshasa. C'était un 3 septembre, donc c'est le 4e anniversaire que j'offre à mon rejetant, donc mon incarnation en RDC, le paradis terrestre. C'était ce symbolique du cœur d'amour que mon épouse, Maman Anaël Mouilou, m'a offert le cadeau, le cœur Kuntima Diangenda, mon amour éternel. Voilà, ici à Kinshasa, Mbanza Kimbangu où elle est, donc à Brazzaville, comme tu dirais, Mbanza Kimbangu, j'appelle ça Mbanza Kimbangu parce que j'aime pas le qualificatif maçonnique. Et ben, c'est là-bas que l'anniversaire s'est concrétisé, mon incarnation, aujourd'hui 3 septembre à Kinshasa. Aujourd'hui j'ai 3 ans, donc 2015-2018, 3 septembre, je suis né de nouveau dans le paradis terrestre. Si je suis revenu dans un premier temps sur la rive droite, et là je suis revenu de nouveau sur la rive gauche, en la personne Diakongo Nzotovuidi Anaël Di, la grâce qui a parlé. Anaël Di, voilà. Elle est là. Papa solo Zambé, papa solo Zambé. Voilà, on a fait le travail. Ce petit message de ce jour très spécial. On est venu ici au petit Manhattan de Paris. Ils sont venus ici avec Papa Diangenda Kuntima Kiangani. 2007, lui qui avait la charge de venir me chercher spirituellement, comme il avait fait en 1992 dans son cercueil, il m'avait ramené au bercail. Oui, il est divin, Papa Kimbangu Kiangani. Longa, Nungini, Diakongo. La grâce qui a parlé en elle dit. Le célèbre 3 septembre 1910.
just get, I would go to step there. Okay. Just one moment to get this. Okay, the picture? Yeah, please, get it. Not the picture, just give that. I'm funny, mate. Give it some. That, just okay, okay. This is live? 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 Step one, okay. Yeah. I'll come. Okay, get that. It's okay. Music on. On music on. A bag hi phad le. Nous, 3 septembre, yes. Nous venons. C'est bon? All right. Thank you. Merci. Okay. Voilà, nous venons de Congo. Je ne sais pas qui m'a. Okay, thank you so much. Where do you live from? From Kamba, New Jerusalem. Here, make me a photo one piece and one photo one more piece. Oh, thank you so much. Merci.